Salut à tous, c'est Trunkan, on se retrouve à nouveau dans The Witcher 2 Assassins of Kings avec Orion qui mange des croquettes. Alors je sais plus jouer, ça y est, hein. Voilà. Mon médaillon touche à mon pénis. Oui. Bonjour. Bonjour la porte. Aneska. Alors on a sauvé une elfe la dernière fois, hein. Pourquoi t'as les corbeaux chez toi? Qu'est-ce que c'est quoi ce bordel? Bonjour. Mon médaillon vibre auprès de vous. Or, il ne vibre qu'à proximité de la magie ou du danger. Il vous met peut-être en garde contre une claque sur votre petit minois. C'est vrai, ça ne me regarde pas. Écoutez, on me traite peut-être de sorcière, mais moi, les sorts, je m'en fiche. Vous n'avez besoin ni de charme, ni de malédiction. Donc vous cherchez soit des sensations fortes, soit des sorcières. Dans les deux cas... Je ne tiens pas à vous dénoncer. Ni à vous voir danser nu au clair de lune devant l'autel de Vaiopatis. Comment osez-vous? Je veux seulement des herbes. Des herbes? Oui, pour usage personnel. N'est pas du shit. Sinon, on peut jouer au dé. Ouais, bon, allez, 10 balles ou je remballe. Premier jeu de dé qu'on fait, je crois, dans la partie. Je lance mes dés. Mais Orion, ta gueule. On lance comment? Je voudrais lancer mes dés. J'ai le droit de rien faire! Oh, les dés sont buggés. Attendez. Bon, je n'ai pas planté. Peut-être que si, en vrai. Bon, du coup, on va marchander parce que j'ai peur que les dés ça bug encore. Faites-moi penser la prochaine fois à... Comment dire? Comment on peut dire ça? Sauvegarder avant de jouer au dé. Formule du loup. On l'avait déjà fait ça, non? On était déjà allé la voir? Je sais plus. Moule vert, ingrédient chimique, objet de quête. Ah. Ben voilà. Comme ça on l'aura, même si je sais pas ce que c'est. Et donc les plantes qu'il nous faut, c'est... Waf. Les plantes qu'il nous faut, ce sont donc dans la grotte. Prends les bûches. Hein. J'étais allé ici, je crois. Alors ça c'est pas un monstre normal, t'es pas un chasseur normal, Zegota. Ah mais c'est le forgeron. Pardon. Peut jouer au dé aussi. Hein. Mais plus tard les dés, hein, plus tard. Alors. Dommage qu'avec l'autre, avec Select, on puisse pas aller à la map. Donc, je sais toujours pas comment on. Ah. Oh là là, c'est pas très... c'est pas ouf. Auberge, d'accord. Et donc c'est par là. C'est pas très très intuitif. Enfin, heureusement que ça a été amélioré dans le 3 par contre. Hein. Parce que comme j'ai dit, hein, le 3, bon, il a amélioré des choses, mais il s'est surtout basé sur les acquis des anciens jeux. Hein. Faut pas déconner. Hein. Il n'a pas révolutionné. En vrai, quand on joue deux autres jeux, on se rend compte que le 3, il n'a pas révolutionné tant de choses que ça. Il a bien bien amélioré, il a bien peaufiné, mais c'est des choses qui existaient déjà. Donc bon. Ah! Je vais le ramasser. Hein.
Andriliac de merde. Qu'est-ce que t'empestes? Alors, les saloperies, hein, les Andriag. C'est bon? Ça a l'air bon. C'est bien, ça fait looter, il y a des trucs, il y a des machins. Donc là, il y a quoi? Putain, ça me fait sursauter à chaque fois. Je me suis quand même fait bolosser par un collet. Alors les collets, c'est pour attraper les lapins, quoi. Une carte de merde. Merci, maître. De rien. Ça me rend dingue. Ce foutu bois est rongé par la vermine et ce trou du cul a perdu la boule. Qui? Le troll. Il a préféré collecter les taxes sur le pont plutôt que de l'empêcher de s'effondrer. Et il est censé se débarrasser de la vermine aussi. Et quel est le problème? Les marchands du port m'ont envoyé chercher des trucs et c'est le seul moyen de passer. Le pont est en miettes et cette tête de nœud n'accepte que l'alcool. Pour traverser, c'est gravats, j'ai dit. Et il m'a presque arraché la mâchoire. Loredo offre une prime pour sa tête. S'il pouvait, il nous ferait tous couper la tête, ce sale enfant de putain. On a besoin d'un pont en état et d'un troll, mais d'un troll sobre. Mais il ne faut pas tuer le troll. Enfin, allez voir le maire, il vous expliquera tout. Bah oui, si le troll il garde le pont. Le troll, il... enfin, c'est un univers de fantasy, tout ça, les trolls c'est utile quoi. Ça casse les couilles, mais. Mais ça. Comment dire? Ça garde les ponts en état. Du coup, c'est pas là qu'il fallait aller. Ah, mon médaillon touche à mon pénis. Quand le médaillon touche à mon pénis, c'est qu'il y a quelque chose. J'arrive pas à croire que j'ai pris des dégâts avec un collet, quoi. Ça aurait été un piège à ours ou un piège à loup, d'accord, mais ça c'est un collet, quoi. Là, je sais même pas comment j'ai réussi à me mettre les pieds dedans. Je t'ai vu, toi, hein. Ici. Bon, ça va, aux attaques lourdes, ça marche bien. Ouais, j'avais entendu arriver. Ah, vous avez acquis de nouvelles connaissances au sujet des espèces de monstres. Ah oui, c'est plus on les tabasse. Ça c'est bien ça. C'est vrai que dans le 1 c'était un peu chiant de... Enfin, c'était chiant mais logique vu qu'on avait perdu la mémoire. Du coup forcément il y a plein de choses qu'on ne savait pas. On commence à la récupérer au fur et à mesure donc... Oh bah... Je t'avais même pas vu, saloperie! Je regardais cette sculpture, ma foi, pas dérangeante du tout. Absolument pas, quoi. Cercle de vigueur, ok. Donc il y a plein de buffs à prendre dans le jeu et ça c'est bien. Sur au piège évidemment. Quel connard. J'en évite un, je prends celui qui est juste derrière. Heureusement que ça file pas de debuff.
C'est bon? C'est bon, vous arrêtez d'être casse-couilles? Je t'avais pas vu. Encore ? Combien ? On est qu'un 1 sur 3, ça, 1 sur 3. Foutez de ma gueule ? Putain, mais... C'est un qui était pas mort, vraiment. Celui que je vois là-bas, c'est sûr, mais... Oui, donc. La grotte de ses morts. C'est pas la tanière de... C'est un truc dégueulasse, ça? Mais je te vois... Deux sur trois. Et enfin, j'en tue combien des Nakers là? Ça n'a aucun sens. Je peux pas être à 2 sur 3. On se calme. Calmez-vous. Ok. Donc faut condamner les... oui, alors peut-être qu'on va prendre Hard. Peut-être plus efficace que jeter une boule de feu au pif. $90, c'est bien, hein, je suis content. Franchement, je suis content. Évidemment qu'on va se faire attaquer, non. D'accord. Très bien. Soit.
Alors, gauche ou droite? Plutôt gauche, je pense. J'allais dire droite en tournant à gauche. Hard, c'est toujours aussi efficace. Hein. Et ça, c'est bien. C'est bon, j'ai l'osmorose, ça c'est fait. C'est quoi la quête des... La quête des Necker là? Par contre, c'est pas ultra bien rangé. Hein. Les Necker. Nid Necker, oui, mais les Nid Necker. C'est-à-dire. Où sont leurs nids? Parce que dans The Witcher 3, bon, ils sont marqués sur la map, donc ça va. Mais là, à quoi ça correspond? Est-ce que si je vais sur la carte. Les lignes d'équerre sont affichées. Pas sûr, hein. Pas sûr. Hein. Peut-être lire la quête. Ça me fera pas de mal. J'ai attendu que les Necker de la région se déplaçaient avec, grâce à un réseau de tunnels souterrains. Il se dit qu'ils se pouvaient trouver ou détruire toutes les entrées des Ross. Les Necker, ça va dans un environ. Ok, donc ça n'a rien à voir avec la grotte. Bah, du coup, on se casse. Mais on se casse par là. Oh, dis donc. Bonjour. Parce que là, c'est pas des entrées de tunnel, là, c'est une grotte, donc non. Pour moi, ça compte pas. Il y avait un temps de chargement. Très bien. Ça veut dire qu'il y aurait peut-être un nid par là. De l'aide, enfin! Je croyais que c'en était fini. Qui es-tu? Qu'y a-t-il? Rien. Mais mon ami est resté dans ce foutu hôpital. Cédric m'a confié que deux personnes auraient disparu près du manoir. Je m'appelle Rupert Brendubert. Je suis un médecin des Dirnes. Un ami et moi recherchons des variétés d'herbes très rares. Cette forêt n'est pas le meilleur endroit pour la cueillette. On nous a avertis, mais on n'a pas écouté. Nous sommes allés jusqu'au lieu de l'incendie. Pas de traces d'herbe. Mais il y avait quelque chose en bas. C'était quoi? Vous avez entendu? Le chien de Gridley. Vous sentez? Quelque chose approche. À l'aide! Oui, bah deux secondes. Deux secondes, j'y vais. Un équerre fou. C'est bon? Moi je veux looter. Hein. Attendez, y a du loot. J'ai raté du loot.
Oui, là. Qu'est-ce qu'il veut, le chien? Tu n'es pas le chien, hein? Ah non! Pauvre chien! En plus, on pouvait pas le sauver, quoi, super! Bah, on veut au moins le looter, hein. Pauvre chien, quoi! Bah, allons-y, hein, l'hôtel de ses morts! L'hôtel, l'hôpital, pardon. Ça s'ouvre, ça? Sûrement. Bon. Tant pis. Ok. Attendez. Ah, c'est ça que je pouvais cueillir. Très bien. Ça sort la nac cette affaire, hein. Vous faites tellement mal. Ok. D'accord. Elles m'ont mis tellement cher. Apparemment, le feu, ça marche bien. Mais il faudrait que j'utilise une bombe aussi. Je sais plus comment ça va être, triangle, je crois. Sérieusement? Attendez. J'ai pas de sauvegarde rapide plus loin que ça? Sérieux? Ok. Ellipse. Donc les bombes c'est cool, hein. Les bombes c'est cool. Mais ouais, les spectres, ça a toujours été un peu chiant. On va sauvegarder. Sauvegarder à chaque salle, je m'en bats les couilles. D'ailleurs, j'ai pas une huile à appliquer sur mon épée, on sait jamais. Parce que bon, mine de rien, voilà. Trophée de spectre, ça c'est cool, bah je peux peut-être l'équiper. Non, j'ai pas le droit, j'en sais rien.
Ah d'accord, ok, il faut aller vers le truc. C'est bizarrement fait. Il est bizarrement fait Comment dire? Lui contre les spectres. Ça aurait été une bonne idée. C'est bon? Ça l'a. Ah non, c'était pas le bon bouton. Zut. Je m'ai trompé. C'est là. Non, c'est pas là. Putain, c'était où? Ah si, je l'ai utilisé. Non, je l'ai jeté, quel connard. Voilà, ramasse ça. Désolé, hein, l'inventaire est particulier à utiliser. Donc voilà, faut faire gauche pour aller dans la sélection là. Et après, il faut faire alors X, donc c'est carré quoi. Paf, sur l'épée en argent. Voilà. Et maintenant, on re-sauvegarde. Il n'était pas du tout obligé de me faire ça. Ces hommes étaient innocents. Et moi? Je ne joue pas avec le feu. C'est nos ambitions. C'est le syndrome de Sainte Vita. Ah, il est dangereux. Enfermez-le. Non mais allez, il n'y a plus par là. Alors non, mais en vrai, ouais, Igni c'est mieux. Hein. Ah non, c'est juste que les coups lourds, ils leur font, on ne peut pas les toucher comme ça. Enfin, quasiment pas. Faut vraiment y aller en léger avec eux, d'accord. Bon. On apprend des choses. Fichier de l'hôpital, d'accord. Ouais, ils ont fait de la merde, hein, clairement, dans l'hôpital. Ils ont clairement fait les cons. Vous méritez de souffrir. Ça fait trop mal. Pitié. Allez. Donnez-moi des soins. Ça fait trop mal. Pitié. Allez. Donnez-moi des soins. Non, je veux l'examiner. Vous êtes pas fou, vous? Laissez-moi! Ne m'approchez pas! Fichez le camp! Du calme. J'y suis pour rien! J'ai rien fait! Vous n'avez pas fait quoi? Le feu! Là! Partout! Ça devait pas se passer comme ça! Je ne voulais pas! Je le jure! Je n'en saurais pas plus avant de vous avoir calmé. Des médicaments ont peut-être échappé aux flammes. Des médicaments. Quoi qu'il se soit passé ici, cela a même dérangé les fous.
sang. D'où vient-il? Il faut nettoyer. Jusqu'à l'os. Jusqu'à l'os. C'est le mien? Il faut nettoyer. Et bon, trouvons-lui des médocs. Hein. Bonjour. C'est tout ce que votre mère a compris. Voilà. Par contre, je te vois. Allez, viens, viens. Ouais, j'ai pas que ça à faire. Hein. Mon huile, elle dure, elle dure encore 15 secondes, j'ai pas trop le temps. C'est médical du patient 15. Tiens, Jackie. Qu'y a-t-il? Où suis-je? Doucement. C'est Rupert qui m'envoie. Rupert? Il est vivant? Écoutez, vous et votre collègue manigancez quelque chose, c'est évident. Ce lieu a un passé particulièrement sordide, et tout indique que vous en faites partie. Vous comprenez de quoi je parle? Oui. Parfait. Maintenant, racontez-moi toute l'histoire en détail. L'histoire? Il y a toujours une histoire, Gridley. Parlez. Nous étions des soldats d'Aedirn, lors de la guerre contre Nilfgaard. J'assistais Rupert à l'hôpital de Terrain. Notre unité était en poste dans ce manoir. On se foutait bien de savoir qui habitait ici. Les Foldag étaient dociles. Enfin, au début. Un jour, les éclaireurs ont attrapé un des Nilfgaardiens, qui avaient planqué le butin des pillages d'Aedirn. Le gros lot. On avait entendu des histoires sur ce trésor. Et depuis, on cuisinait tous les escadrons noirs prisonniers. Ça a payé. Alors, on l'a fait parler. Sous la torture? Le commandant voulait le mettre sur la roue. Mais Rupert a dit qu'on avait un meilleur moyen. Une herbe locale. Une fois brassée, elle contraint celui qui l'a ingérée à dire la vérité. Le commandant l'interrogeait tout en annotant la carte. On était tout excités. On se partageait déjà le butin. Le prêtre en charge s'est interposé, et l'un des nôtres l'a décapité. Vous êtes un bon compteur, Gridley. Vous avez une chance de vous en sortir entier. Ensuite? Le prisonnier nous a dit où était le trésor, et le commandant l'a fait écarteler devant les frappadingues. Lorsqu'ils ont vu le sang, ils sont devenus incontrôlables. On a dû en abattre un paquet. J'ignore même comment l'incendie a commencé. Il y a eu des survivants? On a évacué une fillette. Très chouette. Elle parlait peu et était très serviable. Cela dit, la deuxième nuit, elle a assassiné le commandant, volé la carte et a disparu. C'était la guerre. On n'a pas pu continuer les recherches. Et vous êtes revenu après tant d'années. Vous espérez vraiment la retrouver ici? J'ai jamais eu de peau. Rupert, c'est pire encore. On voulait sortir de la poisse. Puisque la fortune nous avait souri une fois, ça pouvait se reproduire, non? Je ne compterais pas là-dessus. On a affaire à une sérieuse malédiction. Il semblerait qu'on doive commencer par retrouver la dépouille du Nilfgaardien. Ah, une petite malédiction, là. Ah merde, je vais perdre mes élixirs. Laissez-moi! Ne m'approchez pas! Fichez le camp! Ok, donc c'est par là. Bon, par contre, moi, il faut que... Ouais, je perds mes élixirs. On va méditer. Et un filtre de pétri. Comme ça, on fera plus de dégâts avec Igni.
Non, c'est bon. Je veux juste discuter, c'est promis. Sympa. Les loups attirent le loup. Que veux-tu ? Leur mort ? Deux d'entre les 20 sont revenus là où aucun ne demeure. Un seul les jugera. S'il est aimable, il les jettera en pâture aux morts. S'il est sévère, il répondra à leur requête. Une prophétie. Formidable. J'aurais pu m'en douter. Apporte-moi leur cœur que je puisse m'abreuver de leur lâcheté. Et leurs yeux que je puisse les sonder. Un marché ? D'accord. Je lèverai cette malédiction d'une façon ou d'une autre. Alors. C'est où ? Malena. Grippe de la folie. Alors, les fantômes ou les vivants savent tendre des pièges. Gérald suit le fantôme et fut attaqué par une bande. Ok. Eh ben, retournons. J'aurais peut-être pas dû prendre mes trucs maintenant. Hein. Mais oui. Alors ? J'ai vu le fantôme Nil Gardien. Allons trouver Rupert. J'aurais peut-être pas dû prendre mes élixirs maintenant. C'est peut-être gâché. Gridley ! Tu es vivant ? Que s'est-il passé là-dedans ? J'ai vu la musique. Du soldat de l'Empire. Vous êtes sorceleur ! Débarrassez-nous-en. Ah. Ah, j'hésite parce que c'est de leur faute quand même. C'est de leur faute. Ils ont voulu s'enrichir. Et du coup, c'est un peu l'appât du gain qu'il a. Qu'ils ont décapité un prêtre, c'est ça ? Je sais pas trop. C'est déjà fait, venez. Je vais vous montrer quelque chose. Ils l'ont un peu cherché, hein. Qui vois-je ? Tu te rappelles de moi ? Tu te rappelles de mes membres arrachés un à un ? Tu te rappelles de ce que tu as fait aux occupants de ces lieux ? Sale traître ! Ils doivent payer pour leurs crimes. L'accomplissement de leur peine mettra fin à la malédiction. Je te les laisse. Je n'ai plus besoin de toi. Le festin commence. Ils ont mérité leur sort, hein. Comme ça, on les loot. Attendez, est-ce que ça c'est la salle qu'il y avait au-dessus ? Là où j'ai affronté les deux spectres ? J'ai l'impression que oui. Ouais, parce que je suis arrivé par là en fait, il y a le coffre. Oui, c'est ça, c'est pour ça que la fumée venait de là. Malin ! Par contre, comment je me barre ? Oui, c'est ça, on est arrivé là, on a sauté, lol. Maintenant, faut trouver le bon chemin. C'est par là. Alors, du coup. Non, pas le personnage.
Alors les Andriags, c'est quoi déjà cette saloperie? Ah bah c'est les... Oui, c'est les scarabées. Le troll. Malena. Ça c'est la grotte où on est allé déjà, non? Je crois, hein. Ah, il y a une quête là-bas. Ok, bon, on va retourner à... D'où on vient. On va pour rendre là, cette quête, c'est au moins cette quête-là. Ah non, c'est une grotte sous-flotte, Sam. Ah. D'accord. Bonjour. Vous êtes beaucoup trop. Vous êtes beaucoup trop. Un contre 4, c'est compliqué, hein. J'ai pas le temps pour vos conneries. Plus tard. Plus tard. C'est bon, maintenant... Maintenant vous êtes plus que deux, c'est bon. Oh, y a pas un nid par là? Est-ce qu'il y a une route? Elle sert forcément à quelque chose, cette route. Ça. Les bains en ruine. Hein. D'accord. Ok, bon, on va retourner à... À la ville. Via sûrement une petite ellipse. Alors, en voilà un nid. Mais je n'ai pas de bombe. Je dois faire exploser ce nid. Ouais, j'ai plus de bombe. Est-ce que c'est avec l'alchimie des bombes? Je peux pas faire ça à côté du nid, pas bien. On va faire ça ici, très bien. Faire des bombes peut-être. Alors la question c'est, est-ce qu'il faut la lancer ou est-ce que juste l'avoir, dans, l'avoir c'est bon? Faire exploser ce nid. Ah, il faut l'équiper dans l'inventaire. Je dois faire exploser ce nid. Je dois faire exploser ce nid.
C'est pas les bonnes bombes. Ça n'est pas les bonnes bombes. Ce ne sont pas les bonnes bombes. Mais j'ai pas de quoi faire des bombes. Bon, on va faire le mangouste, comme ça sera fait. Huile brune, hirondelle, chafre. Putain. Bon, bah c'est pas grave, hein. On va. Pourquoi ça a remis cette quête là, Nick? Bon, je sais pas si c'est dans la ville ou si c'est ici. Putain, j'ai l'impression de voir le jeu ramer sur ma enfin, sur OBS. En tout cas, on va voir. En principe, il y a une grotte souffle de sable, hein, c'est ce que me dit la quête. On va aller voir ce qu'il y a ici. C'est de là qu'on est arrivé avec. Oui, je crois qu'on est arrivé par là en fait. Faut quand même faire le tour. On vous attend ici. Très bien. Très bien, très bien. Alors, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter là pour l'instant. On se retrouve plus tard pour un autre épisode. Des bisous, à plus.